La réhabilitation du marché de Kumasi n'est pas du goût de certains commerçants qui ont protesté pour s'opposer à ce projet. On ne refuse pas qu'on casse le marché. C'est un marché qui date de 50 ans. Mais qu'on nous montre où on doit loger, où on doit caserner des femmes là. Si c'est pour réhabiliter le marché, nous sommes d'accord. Mais fermer le marché de quoi 6 000 personnes. Si 6 000 personnes doivent aller en chômage. Le maire de Kumasi rassure les populations et les commerçants sur l'importance de cette opération qui épouse la vision du président de la République de Côte d'Ivoire qui entend faire de notre pays un pays émergent. J'ai reçu plus de 4 fois les commerçants. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 12 janvier. Les commerçants étaient venus parce qu'ils étaient mal informés. Et quand je leur ai expliqué, ils sont sortis de la salle des mariages en applaudissant. Je n'ai pas compris pourquoi, entre lundi et jeudi, il y a eu cette marche. Le marché doit sortir du giron de la politique. Nous sommes en place pour travailler, pour accompagner le gouvernement dans son élan vers l'émergence. On ne peut pas aller à l'émergence avec un marché dans cet état que nous avons vu. Des sites sont déjà identifiés pour écaser les commerçants pendant les travaux. Après ces travaux, les commerçants retrouveront gratuitement leur place.